Comment il est? Ça va bien, sinon les fêtes. Bien passé, vous êtes même. Parole, bien mangé. Oui, à bien mangé. Ouais. On a besoin. Parce qu'on a pris plus que deux malins. Il n'aime pas les fêtes, ça. Non on va pas dire tout. Putain, le début d'année, t'es un peu. Ok, deux, trois calottes en même temps aussi. Ah oui, t'es tumultueux, tout ça. La vague t'es haute. Hein. Ouais, la vague t'es bien haute. Mais sinon, ça va. Hein. Oui, ça va. T'as le survécu. Oui. Bah, comme d'hab. Comme d'hab, après, en même temps, bon. C'est la vie. C'est le genre de truc qui arrive, là, l'impression. Hein, plus de toute façon, on aura la visibilité, plus. C'est sûr. On sera en même temps comme un. Il y aura toujours des aléas comme ça dans les années. Voilà. C'est surtout que. Fin. Ouais, ça rend plus fort, mais en même temps, bon, là, c'était un peu d'incompréhension, de une grosse vague commun. C'est une étape, c'est peut-être, sûr, mais... pour bien commencer cette nouvelle année qui annonce, pour nous. On n'a pas mettre une équipe soudée, donc tiens, tant mieux, alors. De toute façon, on garde toujours le positif dans cette affaire-là depuis la dernière année, donc comme d'hab. Hein. Ah oui, exactement. Ça n'a pas changé. T'es ben là aujourd'hui tu coup m'invite à Zot, faut nous causer un petit peu 2021 parce que là pourquoi on gagne le temps avec toutes ces fêtes, tous ces trucs là. Faut bien faire péter encore. C'est clair. 2020 est fort en tout cas. Franchement 2020 est fort. Ouais les gens t'es au rendez-vous pour tout hein. Beaucoup de temps passé aussi, beaucoup de tournage aussi pour nous sur le terrain. Putain. Beaucoup d'articles aussi sur le site. Faut pas oublier. Ouais, franchement, le dernier article surtout, l'article ça fait moins plaisir. Hein. Ouais, donc, il faut dire que on garde un charbonné cette année 2020. Oui, on a charbonné. Ouais. Mais il faut s'en arrêter. Non, c'est clair. Là, on a beaucoup bossé. M'a regardé sur chaîne YouTube, on a sorti 70 vidéos, là, on a au compte. Une année. C'était le nombre de samedis matin. On a le. Après, il pense aussi, c'est ce que les gens ils voient par contre que. La pointe salée, il revient, mais les samedis, les comptes, le temps à l'extérieur dans le tournage qu'il fait pour donner du contenu quand même. Ouais, il y a beaucoup de choses, la vie personnelle en prend forcément un peu derrière. Là, le nombre de messages que m'a vu au sujet de, tu vois, de jeunes artistes, de jeunes talents, que Bana, t'es frustré, que nous t'es partage pas autre. Ben, en même temps, faut nous mener un peu notre vie aussi à côté. Moi, franchement, ma point de scrupule vis-à-vis de tout ça là, parce que mais nous fait déjà énormément et il faut que Dominique comprend que dans ce masse d'informations et d'artistes que nous tire, on a beaucoup de tri quoi. Après, faut que les jeunes comprennent aussi qu'on a des jeunes talents qui font des jolis trucs. Après, il faut aussi la qualité des IF, il y a des choses aussi à faire d'autres publics. Oui, tu fais un freestyle juste pour faire un freestyle. Il faut qu'il y ait derrière de la matière sur laquelle travailler. Voilà. Enfin, voilà. On n'est pas là pour juger personne, il est là pour encourager les autres s'il faut. Ouais. Mais après, il faut de ce côté aussi un travail, il y a aussi une compréhension. Moi, maintenant, justement, par rapport à ça, là, des fois, on a un peu de mal parce que, et le nombre de messages que nous reçoit des fois là. Saoudi de Moon, maintenant il envoyé une vidéo pour être repartagée, forcément. Oui. Il a une N2 conseils, mais moi non plus, mais pas artiste, mais produit pas le son, à point d'expertise non plus, je n'ai pas repartagé TB. C'est une histoire, on a l'impression de Moon ne comprend pas forcément ça, calcule les systématiques. Oui. Mais bon, peut-être que faudrait me soigner un peu plus clair là-dessus, ou d'un moment, des autres TB, chaque chose en son temps aussi. Que mais même nous, il faut du temps pour nous aussi. Ouais. On n'a pas tout le temps le temps. En regardant, nous, tu n'es pas un producteur. Il n'est pas réalisateur, il n'est pas compositeur. Ouais. Il est là juste pour créer des concepts. Mm. Il est là pour aussi mettre les autres en avant aussi. Des fois, partager aux autres des nouvelles informations. Mm. Voilà. Ouais. C'est ça. Nawa, on va répondre à un de deux messages au moins. Bon, en tout cas, 2021, je pense. Voilà, nous continuons de garder le même axe. Voilà, axe de développement normal comme on avait pensé. On a pu bien prendre le temps du recul là, ces dernières semaines. Ouais. Et ben, comme avait dit Zod, on avait fait un de petits formats là, pour cette année, ouais, que vous devez présenter à Zod, du coup, c'est l'occasion. Parce que justement, cette année-là permet à nous de voir un peu quelle différence d'artistes en développement il peut y avoir sur la scène. Pour moi, on a trois grandes catégories. Ouais. On a l'artiste très jeune qui commence à l'arène de freestyle sur Instagram, etc., qu'on a l'envie de devenir artiste, entre guillemets. Puis il y a les gars que là commence à prendre un petit peu de visibilité en développement. Et puis après, il y a les grands artistes établis
sur la scène locale. Et justement, par rapport à ça, je pense que Nova taf un format pour chaque catégorie. Au moins, nous laisse personne de côté, puisque beaucoup de gens la reprochent à nous que voilà, les beatmakers aussi, qui n'étaient pas trop mis en avant, que Nova essaye pense à Zod, les réalisateurs aussi. Peut-être nous va monter un concept pour permettre tous les trois styles différents, beatmaker, artiste et puis réalisateur de retrouver Zod. C'est en fait une bonne idée. C'est un bon moyen de mettre des liens aussi, peut-être pour d'autres projets de certains jeunes ici à la Réunion. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'il y a des liens entre les artistes et les réalisateurs, ouais, les beatmakers, on travaille dessus. Ben, les bons, nous valide petit concept là, alors. Il y a un petit nom tout poli, mais. Dis pas tout de suite. Ma garde est un peu la surprise pour ça. Et après, je pense que voilà, pour Ben's artistes que l'est un peu plus établi, on va taper des petits concepts vidéo. Là, cette année, c'est vidéo à fond, à balle. Donc, j'en t'ai dit non, un tas de taf. Et puis le Sylvain sert à nous de relais, il va utiliser nos bains de réseaux sociaux à fond. Mais voilà, le bain de petit concept. Mais je pense que les lives aussi, c'est quelque chose que là. Là, bien moi, non, mais les gens adorent ça, franchement. Tout le monde adore ça. Et on met quand même tous ces artistes-là à faire nous confiance. Oui, franchement. Oui. Dans ces lives aussi. Mais enfin, il y a certains deux messages pour jouer de l'an. J'espère que. Voilà, j'ai c'est ça, obligé, là, oublie deux, trois. Mais bon, t'avais tellement cette année que. Non, mais. Là, bien, franchement, je pense que le nombre de lives qu'on a fait, t'es pas loin le nombre de vidéos YouTube qu'on a fait. Zola nous l'a produit aussi. Ouais, c'est clair. C'est un artiste qu'on avait fait au début lors du confinement. Ouais. Après le confinement avec Lorenzi aussi, elle est au concert. Ouais, c'est ça, Lorenzi, elle a bien marché. Parce que les gens te regardent tous les jours. Ouais, c'est devenu les rendez-vous. Ah oui, tous les jeudis soirs, tous les jeudis soirs. T'as bien commencé. Il te regarde Twitch, mais pour rien fait le lien par exemple avec Facebook. Je pense qu'au moment où nous va lancer Ali, parce que forcément nous va lancer Ali cette année, on va créer un bon gros concept et nous va préparer des choses intéressantes. On ne va pas presser à nous là-dessus, parce qu'on a déjà de quoi faire. C'est mais sûr. Bon, va arriver. Moi je pense qu'il faut aussi trouver des formats adaptés pour chaque. Chaque plateforme. Ouais. Remettre un petit peu des idées. On l'adapte à nous, hein. Ouais, c'est obligé, de toute façon, pour avancer. Bah, c'est clair, hein. Non, mais au moins, on va pouvoir taffer un petit peu sur ça là, mais je pense que ce sera encore la bonne progression. Et puis, voilà. Cette année, on a bien abordé plusieurs choses. Hein. Ouais, ça, c'est abordé différents styles, c'est un truc que je trouve bien. Musicaux autant, mais qu'il peut être. N'importe quoi d'autre, culture, comme Maro. Je trouve que les gens sont intéressés aussi par, Regarde, par la musique, quoi, la culture. La partie belle à danse, tu fais découvrir des. La danse, Maloya. Quand on a reçu mon pote Mathieu là, incroyable quand à cause de la culture. Ouais. C'était cool. En fait, tu regardes, les gens qui suivent le live sont peut-être moins nombreux, mais il y a beaucoup plus d'interactions dans les commentaires. Ben ouais. En fait, nous touche des couches sociales différentes à ce moment-là. C'est ça. Oui, donc, au fur et à mesure, les gens qui sont à 15 ans, 20 ans, 30 ans, le petit Ron Garden devient un petit. C'est clair. Ben, les bons, on va continuer de pousser comme un. Qu'est la fin arrivée là?